Des fournitures scolaires aux écoliers et élèves de la commune d'Aplahoué. Richard Alossoron a sillonné les différents arrondissements de la commune. Objectif, distribuer des fournitures scolaires aux écoliers et élèves démunis. Dans tous les arrondissements parcourus, les besoins étaient pressants. En cette période où apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes. Nous avons choisi parcourir toute la commune, arrondissement par arrondissement, pour aller faire ce présent à ces enfants qui en ont besoin. La misère, elle est patente. On allait toucher du doigt l'extrême pauvreté. Nous avons de nos parents qui ne sont pas à même de s'acheter un seul cahier. Au nom de mes frères, des mères, des pères qui se sont rassemblés avec nous aujourd'hui, nous sommes vraiment reconnaissants à notre frère qui a eu l'impression, qui a eu la gentillesse de pouvoir porter un coup de main significatif aux démunis, aux orphelins qui vont commencer la rentrée bientôt. Il aura sa part lui aussi, qui parle au nom des bénéficiaires. Il est le premier au bac dans le département du Koufo. Je suis aujourd'hui ravi que notre frère, M. Richard Lesson, m'ait promis un ordinateur et une moto. Avec ça, on va avancer un pas de plus dans la préparation de la rentrée universitaire. Pour le donateur, il faut faire plus. C'est insuffisant, certes, mais ça pourra quand même apporter un soulagement à ces populations qui sont vraiment dans le besoin. Quelqu'un a dit un jour que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je crois que nous avons fait l'essentiel et que Dieu garde ses enfants, qu'il les protège et que surtout l'année soit une année très bien apaisée. Une année très bien apaisée, c'est le vœu des parents d'élèves, des enseignants et des membres du gouvernement aussi.